Je voudrais maintenant dire un mot de notre stratégie pour lutter contre le virus. Elle est faite d'un élément qui vise à freiner sa progression et d'un autre élément qui vise à permettre d'accroître notre offre de soins. Comme l'a dit Madame le professeur Lacombe, 80 à 85% des cas de Covid-19 sont bénins, désagréables sans doute, mais bénins. Mais 15% peuvent être des cas sévères. Et dans un certain nombre de cas, on peut aller jusqu'à l'admission dans un service de réanimation. Et là, c'est évidemment quelque chose de très sérieux. Il y a en France, avant le début de cette épidémie, environ 5000 lits dans les services de réanimation de la France entière. C'est notre capacité de réanimation. Si l'épidémie se développe sur le territoire, au fur et à mesure du temps, les formes sévères, celles qui justifient une admission dans les services de réanimation, vont s'accroître et être de plus en plus nombreuses. Et vous voyez sur le tableau tel qu'il vous est présenté à côté de moi, que si on dépasse le nombre de cas justifiant une admission au service de réanimation, si ce nombre est supérieur à notre capacité d'accueil, alors nous avons un sérieux problème. C'est la raison pour laquelle notre stratégie repose sur deux idées simples. Première idée, augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. C'est la responsabilité du gouvernement et nous avons tout mis en œuvre depuis plusieurs semaines pour faire en sorte d'augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. Le deuxième point de cette stratégie, comme cela avait été très clairement expliqué par le ministre des Solidarités et de la Santé, c'est d'aplatir la courbe. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait moins de cas sévères parce qu'il y a moins de circulation du virus, de façon à ce que le nombre de cas qui justifient une admission en service de réanimation soit moins nombreux. En travaillant sur l'augmentation des capacités en service de réanimation et en mettant en place le confinement qui permet de diminuer le nombre de ceux qui sont infectés et donc le nombre de cas graves, on permet au nombre total de malades devant être admis en service de réanimation, d'être inférieur à notre capacité d'accueil. La stratégie que je développe ici au niveau national, elle est parfaitement justifiée au niveau national. Elle est d'ailleurs expliquée par tous les chefs de gouvernement des pays européens et ailleurs. Mais elle doit évidemment être mise en œuvre au niveau régional. Tout le monde a bien conscience que l'épidémie a commencé à se développer dans la région Grand Est et qu'elle est beaucoup moins développée dans d'autres régions françaises. Il faut donc que nous soyons en mesure en permanence d'adapter la capacité des lits de réanimation et le confinement à la réalité régionale. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez pu constater récemment la multiplication des déplacements de malades admis en service de réanimation qui permettent de soulager les régions qui sont déjà confrontées à la vague afin de soigner ceux qui doivent l'être dans des régions où les lits sont encore disponibles parce que la vague n'est pas encore arrivée. C'est l'idée de la réponse du gouvernement, c'est la stratégie que nous voulons mettre en œuvre. Et encore une fois, elle repose sur la capacité du gouvernement à augmenter la capacité d'accueil des lits en service de réanimation et le civisme des Français à respecter le confinement pour que la courbe des cas sévères diminue.